Coucou tout le monde! Hallo alle zusammen! Aujourd'hui, j'aimerais bien vous faire une petite revue du Diamond Painting Raya la silhouette de Disney que j'avais reçu en collaboration avec New Quef Day qui propose des Diamond Painting, de la broderie en point de croix et aussi des colos mystères Paint by Number qu'on colorie avec de la peinture acrylique. Donc, j'ai réussi à terminer ce diamond painting que j'aimerais bien vous montrer. Je le vous montre maintenant là en entier et puis après je vais vous poser pour que je puisse m'asseoir aussi. Heute möchte ich euch ganz gerne eine kleine Review machen über mein diamond painting, den ich jetzt beendet habe. Das ist Raya von der eine Silhouette ein Silhouettebild von Disney, das ich von mit in Kollaboration mit New Craft Day bekommen habe. New Craft Day verkauft oder bietet an Diamond Paintings, Kreuzstichmotive und auch Paint by Numbers Leinwände, die alle sehr, sehr schön sind. Und ich habe jetzt dieses hier gerade beendet und wollte es euch mal kurz vorstellen. Voilà, vous le voyez complètement en entier. Ça a la taille 30 x 40, mais c'est la toile qui fait 30 x 40, c'est pas l'image en elle-même, donc elle fait environ dans les. Je dirais 25, même pas. Oui, si, 25 fois 35 environ. Voilà. Et, genau. Also, das Bild an sich ist 30 mal 40 groß. Also, nicht das Bild an sich, sondern eigentlich die Leinwand ist 30 mal 40 groß. Und das Bild ist dann so ungefähr 25 mal 35, so ungefähr. Genau. So, ich setze euch mal kurz runter und wir machen dann gleich weiter. Voilà, je vous ai déposé pour que je puisse m'asseoir et pour que ça ne bouge pas sans arrêt. Donc, voilà, je l'ai fait en 3 jours. Je m'attendais pas du tout à le faire en 3 jours et je vois qu'il y en a un qui vient de se détacher. Je l'ai fait en 3 jours. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi addictif et que j'ai tellement de plaisir à le faire que en 3 jours, c'était fait. Surtout que c'est, il y a beaucoup beaucoup de noir et je m'étais dit oh là là ça va peut-être être un peu ennuyeux de faire tout ce noir, mais non j'avais vraiment plaisir, c'est vraiment super amusant. Vous voyez que il y a certains qui se décollent de temps en temps encore. Je ne sais pas encore si il paraît qu'on peut mettre de la colle et machin et truc. Je sais pas si je vais me mettre la peine, je sais même pas si je veux le mettre dans un cadre ou pas. Je pense pas, je sais pas encore. Donc je vais le laisser d'abord comme ça. Je vais bien le poser dans une pochette, je pense, ou un truc dans ce genre. Et puis, je vais réfléchir ce que je vais en faire. Je ne sais pas du tout. Je n'ai aucune idée. Ouais, mais c'était vraiment très, très amusant à faire. Ich habe für dieses Diamond Painting tatsächlich nur 3 Tage gebraucht. Ich war so erstaunt. Ich bin ja pure Anfängerin. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich habe hier und da mal ein paar Sticker gepainted, aber sonst gar nie was großartig Großes. Das war jetzt wirklich das Größte, was ich jemals gemacht habe. Und ich hatte die Befürchtung, dass es langweilig wird und dass ich nicht so große Lust und die Geduld haben werde. Und dass es vielleicht auch etwas langweilig wird, so viel schwarz zu painten. Aber ich muss echt sagen, ich hatte echt ganz riesig großen Spaß, das zu machen. Und ich drücke hier immer wieder, weil irgendwie ploppt das immer wieder etwas raus, merke ich gerade. Gerade die dunklen. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Ich habe ja gehört, dass man das ja auch nur sonst nochmal beklebt und alles, den ganzen Kram mache. Aber da bin ich mir überhaupt nicht sicher, ob ich das überhaupt machen möchte und was ich überhaupt mit dem Bild machen möchte. Ob ich das aufhängen möchte oder einfach in einer Mappe lassen möchte oder keine Ahnung. Ich habe mir da noch gar keine Gedanken gemacht. Ich weiß es noch nicht. Aber einfach, um euch zu sagen, dass es wirklich riesen Spaß gemacht hat. Es ließ sich super bearbeiten. Ich hatte so einen Spaß und es ließ sich super kleben und ja, und jetzt löst sich schon wieder eins. Okay, ich sollte vielleicht aufhören, das zu anzufassen, ne? So, okay. Oui, voilà. En fin de compte, j'avais vraiment un super plaisir à le faire. Je pensais pas du tout que ça allait être aussi addictif que ça. Au contraire, je pensais que j'allais vite perdre la patience, mais ce n'était pas du tout le cas. Et je viens de remarquer que en touchant ça, il y a surtout les noirs qui se détachent de temps en temps. Mais bon, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bon, hein, je vais essayer de plus trop toucher. En tout cas, regardez toutes les teintes que j'ai encore et tous
diamants que j'ai encore. Je ne m'attendais pas à en avoir autant qu'il me reste, mais il paraît que c'est normal d'en avoir autant qu'il reste. Mais je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Qu'est-ce que je vais faire avec tous ces restants? Je ne sais pas encore. Ce que j'ai beaucoup aimé, j'avais un peu peur qu'on n'ait pas assez de diamants. Et surtout avec le noir, il y avait deux gros paquets complètement pleins. J'en ai utilisé un complètement. Et puis un tout petit peu de celui-ci, mais il me reste vraiment pratiquement encore tout un paquet. Vraiment, il était vraiment rempli à ras-bord, quoi. Vraiment plein, plein, plein. Et j'en ai encore utilisé un petit peu. On voit que je l'ai utilisé. L'autre, je l'ai vidé complètement et j'ai encore tout ça qui me reste. Donc, vraiment, pas de souci à ce qu'il n'y ait pas assez de diamants. Au contraire, on en a encore une tonne. Et puis, par rapport aux petits diamants, j'ai vraiment eu pratiquement pas de déchets. Vraiment, j'en avais de temps en temps des tout petits qui étaient tout tout petits, minuscules, aussi ronds comme ça, mais qui étaient tout tout petits. Mais sinon, ils ont tous la bonne taille, la bonne forme. Franchement, je peux vraiment pas me plaindre. C'était vraiment très très agréable à travailler avec. So, ihr seht, ich habe hier meine ganzen restlichen Diamonds hier ausgelegt, um euch zu zeigen, was mir alles übrig geblieben sind. Es sind sehr, sehr viele. Und ich hatte ja die Befürchtung, dass ich eventuell nicht genügend von den schwarzen haben würde, als ich das ausgepackt hatte. Aber das war wirklich überhaupt kein. Also ich hätte mir gar keine Gedanken machen brauchen, weil ich hatte zwei komplette Pakete mit schwarzen Diamonds. Und den ersten habe ich komplett leer gemacht und von dem zweiten ist mir das übrig geblieben. Also da ist noch wirklich reichlich, reichlich an Diamonds geblieben. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Rest jetzt machen werde. Angeblich soll man das hier behalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob ich wirklich mich so ins Diamond Painting jetzt setzen werde oder nicht. Das war ja nie meine Absicht eigentlich gewesen. Ja, die Kollaboration hat mir wieder was Neues ja, entdecken lassen, das mir wirklich Spaß gemacht hat. Mal gucken. Ich weiß noch gar nicht. Ich denke mal, ich werde sie erstmal behalten und gucken und dann schaue ich mal, was ich damit mache. Auf jeden Fall, die ganzen Diamonds, also die hatten alle die richtige Form, die waren alle total schön. Ich hatte hier und da ganz, ganz kleine, die drin verstreut waren. Aber ansonsten, das waren wirklich einzelne und ich glaube nur bei den schwarzen. Ich glaube bei den schwarzen und ein von den grünen. Aber sonst war wirklich nichts an Diamonds, die irgendwie falsch geformt waren oder falsch verarbeitet waren. Also da kann ich überhaupt nicht meckern, im Gegenteil. Und ihr seht, ich habe hier so viele Reste, da kann ich echt nichts sagen. Genau das dazu. Voilà, c'était ce que je peux dire sur ma toile de Raya. Et j'avais un peu peur quand j'avais vu la toile. Je me suis dit, oh là là, est-ce qu'on va reconnaître que c'est Raya? Est-ce qu'on va reconnaître le motif et tout ça? Mais en fin de compte, maintenant qu'il y a les diamants, je trouve que ça se reconnaît relativement bien, surtout la silhouette. Le dragon, on voit que c'est un dragon. Quoi, disons, moi je trouve qu'on voit que c'est un dragon, vous voyez. Et la seule chose qu'on ne reconnaît pas, c'est ce motif-là, en fin de compte. Mais c'est parce qu'il est relativement petit. Je pense que si on a une toile qui est plus grande, le motif serait plus visible. Mais je pense vous croire que New Craft Day a que cette taille. Parce que sinon, je l'aurais pris sûrement plus grand. Mais je pense qu'il n'y avait que cette taille-là. Oui, si, il n'y avait que cette taille-là. Parce que j'aurais bien aimé l'avoir dans la même taille que mes silhouettes que j'ai de Moulin et de la mère de Réponse qui sont 40 x 50 et que je fais à la peinture acrylique. Et comme il n'y avait que cette taille, j'ai pris cette taille. Sinon, j'aurais bien aimé la voir dans la même taille, mais il n'y en avait pas. Donc, c'est vraiment que cette taille-là. On ne voit pas très bien ce motif. Mais sinon, Raya, on la reconnaît bien, je trouve. Et puis, on voit qu'il y a un dragon qui a aussi vraiment la forme des dragons du film. Donc, je suis vraiment très contente et positivement surprise du résultat. Ja, ansonsten ist das so, dass ich doch ganz erstaunt bin, wie schön das Motiv im Endeffekt geworden ist. Als ich es bekommen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob man überhaupt das Motiv sehen wird, weil es doch relativ klein ist und es war nicht wirklich sichtbar. Aber jetzt, wo die Diamonds drauf sind, finde ich, sieht man das ganz gut. Also man erkennt Raya auf jeden Fall sehr gut. Auch den Drachen erkennt man ganz, ganz gut. Das Einzige, was man nicht erkennt, ist da unten das Motiv. Also man sieht, da ist eine Person, aber alles andere ist keine Ahnung, was das ist. Ich denke mal, wäre es größer gewesen, dann würde man das Bild unten besser erkennen.
Aber New Craft Day hat tatsächlich nur diese Größe 30x40. Ansonsten hätte ich es gerne einen Ticken größer gehabt, weil ich ja normalerweise, also nicht normalerweise, ich habe ja sonst auch die Paint-by-Numbers von der Mutter von Rapunzel und Mulan habe ich ja als Paint-by-Number in der Größe 40x50 und ich hätte dieses Jahr ganz gerne auch in der Größe gehabt, damit ich die irgendwie zusammen irgendwie dann hinstellen kann. Aber da sie nur 30x40 hatten, habe ich das jetzt in der Größe genommen. Also genau. Ja, aber ansonsten bin ich super zufrieden. Ich bin super positiv überrascht, wie schön es geworden ist und was das für einen Spaß gemacht hat, das zu machen. Und ja, das dazu für meine Review. Also ich kann es total empfehlen, wer gerne auch so ein schönes Bild painten möchte, kann gerne in New Craft Day mal gucken, was es da für Motive gibt. Es gibt so unglaublich schöne Motive. Ob es Diamond Painting ist, ob es Kreuzstich ist oder ob es auch Paint by Number ist. Also super schön. Und sie liefern auch total schnell. Wie gesagt, die Diamonds sehen super aus. Ich hatte echt meinen Spaß dabei. Und wenn ihr, ich lege unten nochmal einen Link, falls ihr da was bestellen wollt, ihr könnt dann unter Yavuma 10, meine ich, einen Rabatt von 10% noch bekommen. Genau, das dazu. Voilà, c'était ma revue de ma petite Raya en DP, qui m'a vraiment fait plaisir de faire. Vraiment, j'avais tellement plaisir que je l'ai fait en 3 jours. Je ne pensais pas du tout le faire en 3 jours, mais j'ai commencé, j'ai plus voulu arrêter. Donc si vous aussi vous voulez vous procurer Raya ou alors un autre motif, ils ont vraiment beaucoup beaucoup de motifs très très beaux, que ce soit en diamond painting, que ce soit en broderie point de croix ou que ce soit en paint by numbers, ils sont tous magnifiques et vraiment je suis contente avec la qualité de la toile, de la colle, des diamants et tout ça, je peux rien dire. Ah regardez là on peut le voir, là il y en a un tout petit. Un petit ver qui s'est caché dans les jaunes, vous voyez, il est tout minuscule. Ce sont les tout petits déchets que j'ai trouvés, mais vraiment, c'est rien, quoi. C'est rien par rapport aux quelques petits trucs qu'il y a. Donc, vraiment, c'est rien du tout. Voilà pour ça. Oui, c'est les seuls petits déchets que j'avais. C'était des tout petits diamants, en fin de compte, minuscules. Voilà. Voilà pour ça. Donc, si vous avez envie de vous procurer quelque chose de cette boutique, allez voir. Je mets tous les liens sur la barre d'infos et aussi le code promo 10% qui est, je crois, vous allez le voir dans ma barre d'infos, je crois que c'est Yavuma 10. Oui, je pense que c'est Yavuma 10. Voilà. Donc, allez voir. C'est super intéressant. Il y a de très, 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 très beaux motifs. Ça donne trop envie. J'avais du mal à choisir ce que j'allais prendre comme article, tellement il y avait des belles choses. Donc, je vous le conseille vraiment avec cœur, que c'est quelque chose qui est vraiment amusant, qui est très addictif. J'y pensais pas, mais maintenant je comprends pourquoi tant de personnes font le DP. J'avais pas l'intention de commencer le DP, mais c'est vrai que ça donne vraiment envie. Voilà pour ça. Sinon, dites-le-moi si vous faites aussi du DP, si ça vous fait donne autant de plaisir à le faire aussi, et si vous êtes tenté aussi à faire cette silhouette de Raya ou alors une autre. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Erzählt mal, ob ihr auch Diamond Painting macht und was ihr denn gerade im Moment für ein Bild gerade bearbeitet und ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat und ich freue mich auf einen Kommentar, ein Like und ein Abo und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!